avec kidnapping nan commencé fait en pile parler délit dans commune Pétionville d'après une dernière enquête commission épiscopale justice avec la paix mené et yo mettait dehors sorti janvier 2021 pour une journée jodi an côté gagné plus passé 12 moun qui mouri assassiné dans zone 4e section Bellevue la Montagne mairie Pétionville qui exprimait que cassé la clapéresse de gagné face avec situation ça annoncé une discussion qu'a poursuivre pour y mettre yon commissariat dans zone nan magistrat Kisnen Normil avec Amazon Stako fait appel à collaboration tout secteur dans vie nationale là pour y pacifier commune Pétionville reportage Reginald Rémy. En pile section communale qui était conservé référence dans affaires sécurité, tourne journée jeudi à bastion insécurité. C'est qu'à Pétionville, spécialement 4e section Bellevue la Montagne, phénomène ça a déjà voyé aller. En pile citoyenne en pays sans chapeau. D'après commission épiscopale Mariaman Justice à Clapet, sorti janvier 2020 pour arriver journée jeudi à, machine insécurité a déjà voyé aller 12 moun dans pays sans chapeau. Il y a une situation qui préoccupait mairie Pétionville, d'après Stako Amazon, yon magistrat intérimaire. Moun yote qu'on a goumé en bas dans l'autre quartier populaire, dans l'autre zone, dans l'autre commune, mais je dis à la, pas une zone qui est panier. Pétionville, dans un certain temps, pas tellement de tout problème ça. Maintenant, je dis à la, ouais, insécurité a quitté en bas la ville, dans la commune Pétionville. Pour arriver à mater phénomène ça, diverses démarches déjà entreprendre. Magistrat Kisner Normil annoncé construction yon sous-commissariat pour arriver à mater phénomène kidnapping avec insécurité. Commune n'a pas dirigé à faire face. Avec là, nous, pour parler avec le directeur général police là. On va aller ensemble avec le directeur général police pour nous voir comment nous mettre sous commissariat. Je pense que nous identifions ce passage déjà. Magistrat intérimaire qui reconnaît en pleine crise là comment se prend, évoqué problème sous effectif, policiers commune Pétionville a fait face depuis un bon bout de temps. On imagine au Malik, on l'a mis par exemple dans Djeg, chaque nous côté et magistrat, tous sont citoyens, bien qu'ils n'ont pas dirigé la commune, mais nous obligés qu'ils soient responsables des zones, les problèmes ça arrive avec un rapport rapide pour nous qu'il y ait ce qu'on fait avec la police pour nous intervenir. Parce que nous n'avons pas vraiment policiers pour chaque zone, pour chaque maison, pour nous mettre tout le monde à vivre là-dedans. Insécurité, c'est un problème qui a plusieurs dimensions. Ça qui nécessite collaboration tout secteur dans la vie nationale. Là, magistrat Stako Amazon fait appel à collaboration tout secteur dans la vie nationale. Là. La police déconseille avec le gouvernement et la mairie de Pétionville à toute population qui vit dans la commune de Pétionville, là, lui prend responsabilité. Yo. Le problème de sécurité, c'est un problème global lié. Donc nous tous devons converger, force nous ensemble. Pièce zone pas épanier, je ne dis pas de insécurité. Généralisé qui gagne dans le pays à quartier résidentiel ou pas, c'est bandit qui fait imposer loi payo. Assassinat depuis quelques temps, tout n'ayant fait divers. Pays à pas jamais passé un jour sans pas un cadavre qui abandonné dans la rue ou sinon cas kidnapping qui passe span fait tout réseau sociaux. Phénomène n'a pas vitesse. Pourtant, pays à soi-disant gain autorité qui là pour assurer sécurité population, combattre phénomène insécurité. Malgré dégâts, phénomène n'a fait dans le pays à soi-disant autorité qui là yo insécurité kidnapping pas gardé. Ça ou peut-être pas comprendre. Dernier temps, ça y est, phénomène insécurité à kidnapping n'a pas épargné, pepap dans la société à Reginald Rémy, Caraïbe FM. Merci un peu le Reginald Rémy, assassinat Patrick Mantoualia, Sati Blanc, dimanche 2 mai passé, un parti politique Haïti en action, condamné à assassinat militant, Yuri La Tortue qui estimait ses actes intimidation, qu'après poursuivre, fait qu'on est, Sati Blanc, tatou victime en bas, assassinat politique à cause d'étape dénoncé corruption, exact criminel, pour voir en place l'un d'affaires sous population, Yuri La Tortue, moi des communautés internationales, là, qui a supporté Jovenel Moïse au pouvoir pour constater équipe Silla qui prend l'état otage et continue à massacrer citoyens qui campaient en face. Ancien sénateur Yuri La Tortue voulait jeter déclaration Jovenel Moïse fait premier mai passé à côté. Le fait qu'on ait 80% de kidnapping qui fait dans le pays en ses actes politiques. Côté chef d'État même fait qu'on ait ses opposants politiques qui a fait kidnapping. Non. D'après ancien sénateur Latibonite, tout le monde qui a fait kidnapping a déjà identifié au pouvoir. Yuri La Tortue fait qu'on ait kidnappé fait partie gang pouvoir fédéré pour faire répression sur population. Chaque fois, la fait passer revendication. Yo, côté Yuri La Tortue, il était dans le micro Caraïbes FM.
Je dis à penser que ça quoi répondre, président, c'est population. Parce que c'est population qui dit le pendant le référendum, c'est population qui dit mandat président fini, c'est population qui dit le pendant l'élection avec les Jovenel. Moi, quoi que je dis à, ça y a pas tant de président. C'est que les vini avec le ciel, les cas fait face à la question kidnapping là, pour que les résout le problème là. Je ne vais pas attendre à ce que je dis à, eh bien, président, c'est politique qui vient faire à la question kidnapping là. Les gars, comme l'État, non même. Les gars, la police, non même. Les gars, l'armée, non même. Et monde qui fait kidnapping, yo dit qui est-ce qui fait, yo. Le kidnapping, yo, quand on est qui base, yo, population sociale, ben, l'Afton, c'est que je dis à, si yo ka arrêté, moun, ça, yo, pour yo bloquer la question kidnapping. Et ça, l'Afton, yo pas dit, président, fait une politique à question. Yo pas dit, faire répression sur le monde, opposition. Yo, dit, qu'on est qui est-ce qui fait, yo. Moun, yo parle dans la radio. Yo dit, yo prend moun, yo. Yo dit qu'il est à plagué, yo. Yo lagué, yo. Moun, ça, yo, la police, son côté, yo. Donc, m'a quoi que je dis, y a aucune autre nouvelle que Jovenel Moïse a dit, moun, là. Là, que bon moun qui fait kidnapping, yo bon côté lié. Li dit, c'est li prend. Li dit, le kembe, yo. DCPJ a négocié avec, yo. Yo bon nan ki territoire, moun, yo. Tout. Question enquête là résolue. Nous parlons de question enquête d'accord. C'est question opérationnelle. Qu'on y a dépendant de gens question. Est-ce que vous avez gagné l'infiltration, opération d'infiltration, opération d'encerclement, opération frontale, qu'on y a en fonction de ça, comment vous faites pour protéger les gens. Mais la question d'enquête ne se pose pas, puisque les gens qui ont fait, ils ont identifié, et puis il faut que les gens fait, ils ont gagné que tout le monde connaît qui est-ce qui finance. Donc c'est une question opérationnelle qui pose. Et c'est une question opérationnelle qui a tout à fait. C'est opposition, c'est société civile. Question opérationnelle là, c'est soit la police, c'est soit la paix. Il y a une fédération gang qui fait, l'État fait fédération gang, yo là, il a fait tout ça, vous voulez. Donc, yo vin wè que son bagage que l'État pose dans le pays, ça va passer là, et dans la là, regardez, yo wè ça va passer là, c'est un problème que c'est l'État même qui cause. Donc, si je dis à moun qui dans l'État, moun qui autorité, c'est eux qui fait, souvent et tout, immédiatement, tout la David il fait, il y a remetté le compte. Il y a des prérequis pour faire, parce que pas oublier, moi je dis, c'est un banditisme d'État. Voilà, déclaration ancien sénateur Yuri Latortu. Bon, nous regardons si nous a parlé avec journaliste Louis Nord, hein, qui lui-même dans radio Voix Paysan Papay qui dans au plateau central qui dit nous ta gagné un vent insécurité qui a pas soufflé dans le pillon. Bonjour. Bonjour, monsieur Guerrier, comment allez-vous? N'a pas bien. Oui, non pas aussi, Louis Saint-Ilnor. Allô? Oui, c'est ça, oui. Très bien, donc vous voyez l'image de Banon, parmi un petit monde qui vient 5 ans. Odine, c'est 4 monde qui prend balle, parmi eux, un petit monde 5 années. Ça passe qui côté, qui date et dans qui circonstance? Effectivement, c'est. J'étais mardi passé, et il y a une dame qui est même en fermier et on a un monsieur qui est Jacques, qui est Jésus là. Et l'enfermé qui est là, et puis, dans l'après-midi, aux environs de 5 heures, comme ça, il y a un groupe chimère qui lui-même a débarqué, voilà, qui est là, et puis, il est arrivé, il a cagoulé, et c'est mon idée, et des sapes qui ont eu, mon cas, il est en bas de domination, il y a un citoyen, et bon, pas qu'à dire un citoyen, il y a un monsieur qui est à Bosse. Et là, il est arrivé, il était dit qu'on t'a. Bessap. Oui, allô? Vous dites Bessap. Oui, c'est Bessap. On y a les dames là, viennent en compte avec Maître Kaila, qui c'est Jacques Théodore. Pour qui ça, c'est parce qu'il dit qu'il devait mettre un château d'eau en l'air en façon pour être capable de vendre. Madame là n'est pas d'accord. Il dit puisque il a fait Maître Kaila, tout le monde qui est dans la cour, c'est pour lui, il n'est pas d'accord pour Maître Kaila et mettre un château d'eau. Et puis, mon capi à Nanouya, il dit non, madame, c'est pas acheter Kaila. C'est affermé, il ne faut pas. Il y a une revenance là-dedans ou libre pour capable d'aider monsieur l'ordre ou bien pouvoir pour capable mettre le château de l'eau. Maintenant, si tellement estomaqué, il prend la rue pour lui, il a cherché un groupe agent de SAP qui lui-même dirigé par monsieur Amos. Mm-hmm. Là, il est avec cagoule, il est habillé en. Et uniforme des sables sur les âmes, des vendeurs, toutes ces mesures, ces âmes, et puis le bail Jacques pression. Jacques dit non, nous n'avons pas besoin de faire ça, puisque nous ne pas reconnaître nous comme chef.
Et puis il dit, ah, on ne pas connaître nous comme chef, papa, il faut connaître nous comme chef. Fini ou fini, il va aller. Vers 9h du soir, il retourne encore, il cagoule. Et les frères, paraît, il ne pas demander, il ne pas informer, il a vu des armes à droite, à gauche, il crie à droite, à gauche, dans toute direction. Gagné pour plus petit. Quatre monde qui prend balle. Quatre monde qui prend balle. Yo gagnon, si fillet, 5 ans, qui lui-même prend balle dans pied, il cassé, yo détend opéré dans la nuit là, gagne Micheline, qui c'est une madame, il prend 2 balles dans pied, il retourne dans la salle d'opération dans mardi soir, dans vendredi encore, il retourne dans la salle d'opération, à la fin, le docteur a dit, il n'a pas de le choix, il est opéré pour c'est coupé pour le cas coupé pied. Donc deux l'autre non, on parle de Simon. Non, c'est pas Simon. Simon a fini pour un mal là déjà. Mm-hmm. Il est opéré dans la nuit là. Et qu'on a même l'école qu'elle va aller parce que a cassé plus encore qu'à contre le scellé. Ok. Ok, d'accord. Bien, deux autres mouns encore qui prennent balle. Il y en a un, il y en a un poète. Au total, 4 mouns prennent balle. Mm-hmm. Et c'est Amos, c'est lui qui est responsable. Amos l'a dit lui-même. Lui, c'est colonel américain qui est lié. Et si Walpignon, l'homme de là, puis là, lui, il y a un drapeau américain qui est planté dans un nightclub qu'il gagne. Lui, il dit c'est colonel américain lié. Il va joindre. Personne qui a fait rien et d'autant plus que les jeunes autorisation dans mes lits. Et ça la police fait suivant ça qui passe. Et ça, la police vient depuis même le bagage a passé dans la nuit vers 9h du soir. Policiers ont secouru au coup. Ça que ça. Tellement ça m'a chanté. Mm-mm. Il va faire rien, il est impuissant devant mon yo. Eh bien d'accord. Merci un peu. Oui. Merci un peu. Parce que les jours en jour, oui. Yabvin. Et puis compliqué. Plus compliqué. Songez que jeune n'a pas passé là, t'es dit que si bagay là persiste comme ça, que même moun qui était la caillou, qui peut prendre la rue, il va commencer à développer des symptômes et qui t'a demandé que pour t'a gagné des prises en charge qui fait. Et gen moun yo kavin pi agressif, pi colérique, et gen moun nan psychologiquement kap vive jan de situation sa ou bien que le poko rive sou li ki deja vive li psychologiquement, gen de bagay ki kap dégager. Kon sa tout guerrier gen de famille kap vive des drames, des situations compliquées. Et kwen te dit que gen pile bagay ki parle dans la presse, kon sa tout gen moun pa jam konnen. Et nous allons découvrir une famille qui sorti dans Chambellan et Jérémy, qui au même cap vive en pleine. Famille ça vive en situation tête chargée, puisque selon ça, Dani, qui se titre Eddie Jackson avec Vertil Jackson, c'est expliqué nous. Donc, il y a un moment que l'IPAC a Kembi encore, l'a obligé de partager. Avec nous de Ramza, il dit que yo t'es enlevé Freli ou bien kidnappé souvelé et ça plus à la mode qui c'est Eddie Jackson qui gagne 52 ans. Eddie Jackson t'a travail, il pas dans travail là encore, qui activité l'a mené, c'est une activité bolette. Pas presque gagne espoir encore puisque nous sommes 22 jours depuis Eddie Jackson lui-même li nan main ravisseur ou bien kidnappeur. Yo te collé les épaules, maman de prêté, voyez chien sous chat en bon créole, et découvrir Saint-Paul, pour couvrir Saint-Pierre. Yo joignent 40 000 dollars haïtiens. Yo te bail ravisseur, yo. Mais depuis après, au fin, bail 40 000 dollars haïtiens, selon ça, le dit nous que yo pas en contact avec ravisseur, yo encore. Li dit, li pas connaît, est-ce que frère a mouri? Est-ce que vous jetez? Ben, aucune nouvelle. Ni de frère Lan, ni de ravisseur. Vertil Jackson, qui c'est petit frère Eddie Jackson, guerrier, qui t'a fait des marches. Yo, monte descend, rile dans le téléphone, parler, chercher prêter corps, prêter jouer 40 000 dollars. L'on écrit comme ça, il évanoui.
trop concentration. Et dit moun k'ap concentré, k'ap vive bagay, la papa ali, a son l'autre tête chargé. Li évanoui, couri avec li sous cabane d'hôpital, docteur dit désolé. Toujours après petit frère Vertil Jackson lui-même li mouri. Enterrement pral chanter samedi. Avec nous en ligne Jackson Dani qui c'est petite sœur Eddie Jackson et Vertil Jackson l'a parlé avec auditoire là. Dani, bonjour. Bonjour Bob, bonjour Pierre Renet, bonjour tout auditeur capteur de Radio Caraïbe. Moi c'est Dani Jackson. OK. Dani, nous c'est Timon Jérémy, plus précisément dans Chambellan qui vient vivre Port-au-Prince en pleine, c'est ça? Oui, moi en pleine. OK Dani, ça qui passé Eddie Jackson, grand frère. Grand frère moi c'était bon, il t'a sorti ça on m'a tant dans l'ison, il t'a voir aller la taille, il la voit. Il y allait, il vient déplacer environ 11h. Il descend et après ça, dans les 1h, nous relais nous pas jamais venir. Nous chercher, nous fait tout après nous diab cherche. Nous aller l'hôpital, nous aller dans commissariat, nous pas joindre. Environ 6 heures du matin, nous recevons un appel qui dit et frère nous est dit kidnappé. Il a oui, préparé 100 000 $. Et puis nous dit n'apprenons encore. Et puis on ferme. On y arrive. Après ça, nous faisons bien en dimanche, mais ça passe en mercredi, en dimanche, nous baillons 40 000 $. Mais nous finissons par 40 000 $, n'a pas tant que, n'a pas le transfert nous. D'un côté, il y aurait les neurodiens, ça fonctionne, mais lié, ça pas l'argent. Et il faut nous faire 30 000 $ encore. Nous disons, non, nous pas gagné, nous, ah, c'est non, je vais pas passer, nous gagnons comme nous cabaillons. Juste ça, c'est grand frère, notre grand frère qui mourit, qui n'a pas là, pour nous faire des machos avec nos familles pour des bails comme là. Et puis, pendant la petite la taille, environ vendredi, après 2 jours, disparition de rien, mais dans l'hôpital, l'hôpital. Ça veut dire, nous ne pouvons pas prendre nous dans le disaccord, nous ne pouvons pas faire un petit jeté, nous ne pouvons pas faire un frère avec nous. Et puis, ensuite, tragédie à 26 jours encore, nous avons dit, notre frère. Ça veut dire, nous ne pouvons pas faire un silence encore, Bob. Nous ne pouvons pas faire un silence encore pour Pierre Hélène. Bagaille difficile pour nous, bagaille dure. Pote tout de fado sa yo ou a réfléchi à disparition Eddie Jackson 52 ans malgré nous te prêté l'argent nous jouons 40 000 $ bien que pour eux même son monnaie mais nous même nous endetté sous 40 000 $ ça Vertil Jackson lui même qui t'a fait des machos ensemble avec ou ni rete comme ça l'évanoui l'élevé l'hôpital pas gain la vie donc ou même qu'on y a comme petit sœur c'est ou qui gain deux chaos sur les épaules ou qui a fait des machos qu'on y a. Oui, moi quand fait des matchs, moi j'ai un grand sœur moi avec mon grand frère mais c'est mon petit âge qui ça veut dire mon bagage c'est qui s'en charge. De jour, c'est yo que te connerait les nous et donc depuis qui nous perdit contact avec ravisseur depuis après fin livrer 40 000 $ là nous vinn perdre contact depuis un lundi après nous été vinn bay comme lundi dimanche je te relé nous. On y a grand frère m'a dit, si tu me demandes encore, on t'a fait 30 000 $, faut que nous t'a fait entendre, voir frère moi. Parce que c'est lui-même qui lève nous, c'est lui-même qui vivant, maman n'a pas pas nous mourir bonheur, nous t'es en province, si fait nous venir ici, nous pas qu'à vivre sans lui encore, est-ce que nous pas qu'à faire nous entendre lui? Yo dit non, ma faute entendre lui, m'balle en bas à Kounia, non, c'est dans la rue. Depuis jour ça, avec dit, en lundi, tout contact coupé, on va aller nous encore, Bob. Ça veut dire, moi, ça qui m'a pas supporté encore. Donc, ouvrez les radios là pour capable de dégager ou parce que ou senti que ou pas qu'à supporter Dani ou c'est orpheline père et mère. Donc, journée jodian, ou gen un grand frère ou nous fin baye l'argent pour les 22 jours, aucune nouvelle. L'autre grand frère ou l'on tap fait des matchs avec c'est Vertil Jackson, l'on est crité qu'on s'est évanoui, rive l'hôpital li mouri. Donc, c'est drame ça ou ap vive qu'on y a dans la pleine du cul de sac dans la coupe d'Haïti. Dans la plaine réelle bonjour. OK. Donc là où tu prends c'était dans la soirée, tu enlevé li ou pas de information? Yo enlevé li, il t'a sorti quand matin moi à 11h.
Ça veut dire depuis 11h, nous pas jamais de contact. 11h du soir? Oui, 11h du matin. Du matin? Oui. OK. Donc, là, nous avons le premier vestiment, 40 000 $, là, nous pas de jambes par la velle. Il n'y a pas de jambes fait nous par la velle. Non, je dis comme ça, il y a tellement de chaleur, je dis, faut pas nous cobla, oui, pas nous cobla, après ça, on a libéré, qu'on y a grand femme, je dis, l'autre grand femme qui mourit, hein. Si vous nous baillez cobla, il faut qu'on t'en délit. Mm-hmm. Il dit non, il n'y a pas de c'est pour nous dire comme ça, le fait trop tard, cobla, pour tout y est, frère. Mm-hmm. 3 mai, oui, qui c'est Journée mondiale Liberté la presse a célébré en Haïti dans un contexte qui m'a connaît à une vague insécurité qui traînait derrière une série de kidnappings qui arrivaient sous toute couche dans la société et dans l'occasion. Plusieurs associations journalistes encourageaient toute professionnelle la pression, mettez plus objectivité avec professionnalistes dans le travail pour plus bien informer la population. C'était occasion tout pour conseiller, patron, médias et journalistes continuer à former tête pour être capable de faire travail plus bien. Violence à quelle sécurité? Oui, il y a l'association journaliste sud-est qui fait sortir une note pour dire que dans l'occasion Journée mondiale liberté et la presse le 3 mai, association journaliste sud-est AJSE salue mémoire tout combattant dans le monde là, pour liberté la presse et c'est là qui sacrifié, qui assassiné par ennemi démocratie avec l'humanité dans l'idée pour sauvegarder liberté la presse, il y a un pilier de démocratie avec la presse haïtienne comme un acquis démocratique qui sorti dans la constitution 87, la JSE réclamait justice pour Jacques Roche, Jean Dominique Brignol Lindor, Vladimir Gagnère, Ospide Pétion, avec Némi Joseph, c'est Pierre-Paul Ancien, secrétaire général AJSE qui signe. Haïti régressé de 4 ans dans le classement mondial Liberté et la presse. Là. Organisation Reporters sans frontières établie, ça qui noté gagné un environnement de travail dangereux et précaire pour journalistes haïtiens. Classé 83e position en 2020, Haïti reculé de 4 places et occupé Kouelila, 87e rang classement mondial Liberté la presse. ONG Reporters sans frontières publié avec un score global 31,12 points payant devancé c'est un pays comme Costa Rica qui est cinquième, Jamaïque, Canada, Uruguay, États-Unis qui est 44e. RSF notait que malgré dernière évolution de loi qui portait sur liberté la presse en Haïti, eh bien, les journalistes haïtiens ont manqué ressources financières, ils ont fait face à qui ont absence soutien institution et ont gagné accès à qui information difficilement. De plus, RSF ajouté médias privés haïtiens yo très liés avec intérêt et actionnaires yo et journalistes yo des difficultés pour exprimer point de vue yo sans yo pas censuré yo. Donc RSF qui estimé gain intimidation à attaque qui est faite par la police contre manifestants que journalistes qui a multiplié dernière année ça yo classement ça a venu qui intitulé « Le journalisme est un vaccin contre la désinformation bloqué dans plus passé 130 pays et c'est Norvège, la Finlande, la Suède et le Danemark qui occupé 4 premières places. » Eh bien, on a tourné dans la nouvelle langue, dans ça qui a rapport avec la question insécurité, ça qui est passé hier sous la Lyon, 4 personnes prennent balle, 2 là-dedans ont mouru sous place, 2 autres blessés gravement graves. Zach, ça a passé journée hier lundi 3 mai 2021 dans Ruelle Chrétien, sous route la Lyon. Parmi les gens qui mourent, nous joignent Fred Lee de Ristan, qui a dans 30 l'année, qui c'est papa 3 Timoun, que y a pour venir faire témoignage là dans le journal là, matin, hein, probablement famille a déjà en route. D'après témoignage plusieurs citoyens, c'est agent Boyd qui a l'ouvri cartouche sur plusieurs citoyens pendant qu'il a protesté contre le kidnapping qui passe suspendu à Ebanda dans la société.
Citoyens ont dénoncé vieux comportement la police gagnée face avec population qui a demandé sécurité. C'est suite à intervention frère Aristidio. Et nous connaissons un conflit familial qui est vraiment, vraiment dégoûtant. Donc, l'ELTE fin sorti là, elle dit nous que il va promettre aider frère et dans question disparition, bien enlèvement, si vous voulez. Madame Lee avec petite fille et frère qui a été fait témoignage là dans le journal là et par la suite il est venu répondre et puis il dit que monsieur était débarqué dans la zone là avec pick-up ça et dans le moment population hein, et il même le plus fait solidarité avec grand frère là par contre qui est ce qui est plus grand entre Nadal et ça que tu parlé plus quoi ça que tu parlé avant c'est plus grand et c'est ça qui cause situation tête chargée ça proche victime yo a gagné pour venir dans journal tout pays en matin pour venir dire qui ça vous pensez et qui ça vous te vive dans événement hier là après sous clou actualité oblige nous pral rejoindre Mackinson Rémi qui sur route aéroport à côté nous apprendre gayon du feu pas trop loin yon maison côté au vent machine Mackinson Rémi ça qui passé est-ce que effectivement son du feu qui éclaté pompiers quand arrivent bien à tout lancer on appelle à service pompiers bonjour bonjour bienvenue à René bonjour Gaye de Sel bonjour et Bob C exactement un pompier mairie d'Elma à peine arrivé mais qui pourquoi commencer tuer du feu ça c'est en face maison Suzuki sur route aéroport et côté Fatra Kaboulé dans mitan la rue non route internationale là mettez du feu dans trois cailles nous qui prend du feu kounya là sur l'aéroport et n'a tout demandé responsable de cette erreur là pour lui même les capable de la situation hein, parce que à cause pompier qui dans la rue hein, ça cause route là anti classe ralenti donc circulation qui casse ralenti gagne et la police Tandelma eux même qui déjà là tout et policiers qui déjà sur place accompagné pompier donc du fait ça cap dans plusieurs cailles dans la cour ça donc c'est pas canoë qui a boulé dans la rue hein, qui mettait du feu en dedans service pompier déjà là il a essayé chercher moyen chercher bonne position pour capable de dire ça mais ça qui est important barrière qui ferme la croix est toujours fermé et les rouge à dire donc pompier yo yo même yo beaucoup jeune moyen donc et pour mon dire qu'on a au pompier donc fait sortir qu'à fois aéroport vient de René leur quitter économique Taïs là donc à côté top Taïs là c'est là exactement tu fais à apprendre Mackinson Rémi ta fois aéroport Radio Caraïbe FM. Merci un peu le 4x4 Mackinson Rémi concernant Zami nous yo en terre étrangère qui qu'on fait voyage avec nous sur Facebook qui a demandé nous qui s'est passé et bien après on réponse pour vous toutes Thérèse Lapointe, Micheline Chéri, Dadi Alexandre, Edouard Pierre avec Nérette Daniel, Gilet Pierre, Marcel, Guy Follerisson, viré sous page YouTube Radio. Fait même bagaille la Tati Gerta, Rinald Calvert, Rouges Lormilus, ou pas joindre nous la bonté Willy sous page Facebook là, mais c'est sous page YouTube là pour nous poter bourrer. Fait commenter, fait débat. Et puis, Bred le Nanvet, j'ai d'autres la dia, respectez. Ironie du sort hein, par rapport à dernier flash Mackinson Rémi pendant du feu ça qui menaçait tout espace là sur route aéroport côté l'étape intervenue hein. Je dis c'est journée internationale pompier. Pas vraiment gagné de service de pompier qui a marché dans le pays à Port-au-Prince capitale là par contre service de pompier qui efficace parallèlement à service de pompier qui était sous responsabilité de la police et qui était sous champ de marche vinn voyer sous bisotin bacoli là toujours gagne quelques petits mairies en fait quelques mairies oui mairies mais qui gagne quelques petits services pompiers qui a fonctionné mais qui pas en mesure pour répondre à gros avec du feu avec gros dégâts ça c'est ça qu'on fait ouais gagne wagon du feu là et puis plusieurs mairies arrivent en même temps mairie d'Elma pas suffi mairie Port-au-Prince pas capable et donc c'est ça donc c'est occasion hein, pour nous plaider en faveur donc service pompier dans le pays d'Haïti est à repenser oui définitivement oui c'est ça. Même Jean Saillé, dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, phénomène insécurité à amis auditeurs.